Hello les chancelosologues, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super aujourd'hui. On se retrouve pour le cinquième épisode voilà, du Skyblock, donc sur Yazacraft. Je vous rappelle, l'IP c'est play.yazacraft.fr. Voilà, si vous voulez venir tout simplement jouer avec moi sur le serveur, je vous laisse aussi l'IP en description. J'ai pas mal avancé depuis la dernière fois, puisque souvenez-vous, on avait. Commence, enfin, on avait commencé, on avait build ça, puis on avait un petit peu terminé notre salle des coffres. Mais depuis, j'ai quand même pas mal farmé donc le bois de chêne. Maintenant, j'en ai vraiment beaucoup, hein, comme vous pouvez le voir juste ici. J'en ai, je sais pas combien de stacks. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne chose puisque ça me permet tout simplement d'avoir plus de bois et donc de pouvoir mieux construire et tout ça. Même si je pense que du coup cette fois-ci, ce que j'ai pour projet de faire, ce serait d'agrandir donc notre ferme, puisque là elle est un tout petit peu comment dire rikiki, pour faire quelque chose de plus grand. J'ai aussi eu un cactus en plus, donc j'en ai déjà replanté un là-bas, je sais pas si on peut le voir. J'ai mis un nouveau texture pack, enfin oui, un texture pack et un shader pack, comme ça on a des petits items un petit peu en 3D et tout. C'est joli, c'est très très joli, moi je trouve. Par contre les vaches voilà quoi, c'est un petit peu bizarre, mais c'est pas grave. S'il y a que ça, c'est pas trop grave. On a un grand arbre qui vient de pousser. Alors, ça, je sais pas pourquoi. J'ai eu beaucoup de malchance, presque entre guillemets, avec ces arbres. Parce que, genre, j'ai que ça, des énormes arbres à chaque fois. Et c'est super chiant en fait à couper. Parce que, du coup, c'est des arbres gigantesques. Là, par contre, si je glitch sur le coffre, ça va pas le faire. Mais je veux dire, c'est des arbres gigantesques qui prenaient des je sais pas, 5 minutes à couper et tout. C'était vraiment un enfer de temps en temps, j'ai envie de dire. J'avais vraiment beaucoup trop d'arbres assez gigantesques. Mais bref, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà enlever tout ce qui est ça. Et on va faire donc notre gigantesque plantation. Enfin, j'espère qu'elle sera gigantesque. Hop, 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 on enlève tout ça. On va récupérer la terre. Alors, comment je vais m'occuper de ça? On va placer ça comme ça. Voilà, pour enlever l'eau, tout simplement. Vous pouvez voir aussi d'ailleurs qu'avec le texture pack, la terre comme ça, elle est vachement bien. Là, la terre, quand elle est harvest, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Je sais même pas comment on dit en français. Cultiver, je pense. On peut dire ça comme ça. Enfin bref, voilà, elle est sympa. Du coup, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai pas mal de bois, je vais pouvoir tout simplement me servir de ça pour faire une plateforme. Mais par contre, je pense que pour tout ce que j'ai envie de faire, j'ai un peu manqué de terre. Tiens, celle-ci d'ailleurs, je vais la convertir. Je sais pas comment je l'avais eu, mais je vais la convertir en terre normale. Je vais en garder juste genre une en terre comme ça. Ah ben non, trop tard. Ouais, vu que j'ai déjà placé, bon, c'est pas grave. Si on a vraiment besoin d'une terre comme ça, ben, on en achètera. Écoutez, c'est pas grave. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va se crafter un peu beaucoup de ça. Ce qu'on va faire aussi, c'est pour avoir de la terre en plus. Ce qu'on peut faire justement, c'est d'aller vendre tout ça au coude, au spawn, histoire de se faire de l'argent et donc de pouvoir s'acheter des ressources. Alors ça, un bug que j'ai remarqué aussi avec le texture pack, c'est que quand je me mets comme ça, c'est les items, ils sont un peu buggés. Faudra que je corrige ça peut-être sur truc. Bon, je suis pas un expert en texture pack, mais je pense quand même savoir faire ça à peu près. Du coup, il nous faudra une ligne médiane à peu près pour mon projet, parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'assez grand, disons, pour la ferme. Donc, si y a moyen de faire vraiment quelque chose de fat, genre, j'avais quelques idées. Ce serait donc de faire deux lignes de 5. Donc, pour faire ça, on aurait besoin de tant d'espace de ce côté et 1, 2, 3, 4, 5 de tant d'espace de ce côté, voilà. Donc ça ici et ça ici, voilà. Comment on pourrait s'organiser là-dessus? Du coup, faire quelque chose d'assez grand quand même, hein, comme je vous l'ai dit. Peut-être même faire du. Ouais, peut-être faire du 7, hein, ce serait mieux. On va agrandir ça comme ça. J'ai besoin de manger. Hop, on va prendre les petites pommes. Ça c'est bien parce que du coup, vu que on cultive ça, bah du coup ça nous permet d'obtenir des pommes aussi. Là j'en ai plus trop d'ailleurs, mais bon, ça c'est pas grave. Tiens d'ailleurs, un truc que j'avais remarqué aussi, c'était que je pouvais faire
faire un challenge, j'ai l'impression. Enfin, accomplir un challenge plutôt. Où il fallait donc 21 papiers, voilà, c'est ça. Hop, slash C. Donc c'est ça, ouais, exactement. Hop, et du coup ça nous donne de la clay. Et 5 dirt en plus, donc c'est pas de refus. Pourquoi pas, ça nous donne un petit peu de Yazakoin ceci, donc pourquoi pas, écoutez. Complete 3 morts novice challenge, tout, enfin pour pouvoir débloquer ça. Donc, ok, on va bientôt pouvoir avoir des trucs. Il nous faut 64 graines de blé. Alors j'ai déjà les 64 graines de melon et de citrouille, mais j'ai pas le blé. Je regarde un petit peu aussi si ça a poussé de ce côté-là. Donc ouais, c'est tout ce qui me manque, les graines de blé. 64 graines de blé. Tiens d'ailleurs, ouais non, je vais avoir besoin des graines là du coup pour le coup. Du coup pour le coup, ouais, je je fais des enchaînements de mots bizarres. Bon c'est pas grave. Du coup comment on va s'organiser là-dessus? Alors. Il va nous falloir faire des sortes de tranchées un peu comme ça du coup. Alors si c'est des lignes de 7, ici il y aura l'eau. D'après mon projet. Hop. Voilà, donc on va déjà faire quelque chose d'assez long. Après on aura sûrement besoin de plus de terre, mais bon, on pourra aller en acheter et tout, donc ça, ça va, on est tranquille là-dessus. Hop. Voilà. Super. Est-ce que c'est prévu, disons, pour une bordure éventuelle? Non, 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 non. Il n'y aura pas de bordure comme ça. À la limite, on peut en faire une ici. Et une, du coup, là. Ouais, ça me paraît pas mal. Ensuite, on va tracer une ligne, du coup, ici. Donc là, on va déjà faire un petit peu tout ce qui est pattern. Après, pour... tout ce qui est bah, remplir ça, je pense que je vais vous le faire un petit peu en accéléré parce que sinon je me doute bien que ça risque vite de vous ennuyer. On va essayer aussi aujourd'hui peut-être d'avancer notre salle des coffres parce que je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais mon coffre est comme qui dirait un petit peu encombré. Je pense que on arrive un petit peu à la période où il faudra améliorer ça. Plus tard aussi, il faudra penser à quand même donner un toit à notre maison. Parce que disons que c'est pas foufou hein, pour l'instant, vu de l'extérieur, à part peut-être les vitres qui peuvent donner un petit esthétique sympa, c'est pas foufou, on va pas se le cacher, donc il y aura besoin d'améliorer ça aussi. Hop, du coup ici on casse aussi, on va continuer d'avancer. Donc ouais, je pense qu'il y a moyen quand même de bien améliorer ça. Oula, la galaxie en dessous elle est un petit peu, comment dire, pour le moins bugué. Oh non, mince, j'ai dépassé. Bon, on va casser ça. Désolé le bois qui tombe dans le vide. Il y a la nuit qui tombe. Bon, bah de toute façon, je venais de terminer mon pattern. Un petit peu, on va appeler ça comme ça. Donc ouais, pendant la nuit, je vais en profiter pour remplir tout ça. Et puis bah du coup, moi, je vous retrouve et un petit peu après les timelapses. Voilà. Et voilà, re les gens, donc comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu tout fait déjà là. Du coup, ce qu'il va me falloir faire, c'est remplir, à part cette grande ligne là et cette grande ligne là qui serviront donc pour tout ce qui est passage de l'eau, je vais devoir tout remplir de terre, donc ça va être assez complexe, je pense, avec la quantité que j'ai actuellement. Je vais baisser un petit peu mes sons. Donc ça va être un petit peu complexe, disons, avec la quantité de choses que j'ai maintenant. Donc ouais, je pense qu'on va, devoir aller en acheter un petit peu au spawn, tout simplement. J'ai déjà essayé de faire les lignes basiques avec ce que j'ai. Puis après, on fera les contours, du coup, un petit peu après, je pense. Hein. J'ai pas 36 000 solutions là-dessus. Hop. Ça avance en tout cas quand même déjà pas mal. Ouais, donc il nous manque une terre et là c'est bon. Je suppose que j'ai pas une terre de plus. Non, je pense avoir tout utilisé là. Je pense avoir... Ah non, j'ai peut-être de la coarse dirt qu'on peut transformer en dirt normal, que je ne dise pas n'importe quoi. Non. Ah, j'avais le souvenir qu'il y avait un moyen de la transformer, mais... Je sais plus du tout quoi. Bon, tant pis.
On va la laisser là. Du coup, nous allons vendre tout ce qui est Oakwood qu'on a. On va aller au slash spawn. Voilà, tout simplement. Donc, on va attendre. Hop là, super. On va... Oula, ça lag un petit peu. Le texture pack bouffe quand même pas mal. Hein. Ça, j'avais oublié de le préciser, mais... C'est assez complexe de faire avec. En bref, nous allons... du coup, bah, vendre tout ce qu'on a. On va déjà en vendre... Bah, on a 212 blocs disponibles. Bah, écoutez, je pense qu'on va en vendre 212. Hein. Voilà. Donc, du coup, on s'est fait 106 Yaza Coins. C'est très, très bien, déjà. On en a 151. Eh bien, on va aller s'acheter, du coup, avec ça. De la dirt qu'on trouve ici. On peut s'en acheter... je sais pas, moi... 20, peut-être. Ouais, ok, il nous reste combien de monnaie? Il nous reste 11, donc on en achète encore une. Voilà, hop là. Et on va déjà se débrouiller avec ça. Voilà, super. Hop, nous allons donc disposer un petit peu tout ça bah, sur le long de celle-là, par exemple. On va faire ça comme ça. Et je vais juste aussi en profiter pour terminer cette ligne-là. Hop, et voilà, donc ça avance déjà un peu. Bon, c'est pas encore tout fini, mais ça avance déjà pas mal. Hop, il nous faudra encore quand même une bonne grosse quantité, je pense. Un ou deux stacks. Mais bon, écoutez, on a déjà pas mal avancé là-dessus, donc c'est déjà bien. Ah, j'avais encore du Oakwood, mais bon, on verra ça un petit peu plus tard. Alors, est-ce que j'irai pas peut-être faire les votes? Voilà, je vais aller faire les votes, du coup, les gens. Comme la dernière fois, c'est quand même quelque chose d'assez pratique, disons. Puis si on peut obtenir un petit peu de stuff, limite, qu'on peut vendre, ça nous permettrait de nous acheter un petit peu de dirt en plus. Voilà. Bah, je vous retrouve, du coup, juste après avoir fait ça. Je vous retrouve juste après avoir fait ça. Et re les gens, donc voilà, j'ai reçu ma petite Yaza clé. On va donc faire slash warp. Clé tout simplement, donc on va attendre que ça nous TP aussi simple que ça. Voilà, hop, let's go. Du coup, faire le petit chest. Qu'est-ce qu'on a? Hop là, nous avons deux blocs de fer. Ah oui, c'est bien, ça c'est très très bien. Deux blocs de fer parce que on va pouvoir se faire quelques trucs. Ah, il y a quelqu'un qui nous a reconnu en effet. Voilà, bah, du coup, on est en vanish de base, mais sinon il y a encore plus de monde, ça c'est dingue. Mais là, ouais, du coup, on est quand même en vanish, il y a moins de gens qui peuvent nous reconnaître, juste ceux qui nous voient, logiquement. Donc, un lingot de fer, ça se vaut 1, ça nous fait 18 coins, ouais, c'est pas fou. Donc, ouais, je pense qu'on va juste aller faire slash yes, voilà, tranquille. Voilà, voilà, donc on est tranquille juste ici. Il va nous falloir quand même beaucoup de dirt encore, mais bon, écoutez, on fera avec. Les deux blocs de fer, j'allais les placer... juste ici, donc j'ai déjà 20 fer. On pourra peut-être se faire notre beacon, un de ces 4, et ça c'est quand même plutôt sympa. C'est plutôt très très sympa même. En attendant, du coup, qu'on ait de la dirt, on va quand même exploiter un petit peu cette zone, puisque elle est tout de même relativement bien exploitable. Comment on va faire? On va avoir besoin d'un seau déjà, hop, et on va aller tout simplement déjà remplir tout ça d'eau. Alors ça risque d'être très 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 chiant, donc je vous le fais en accéléré. Et re les gens, voilà, donc comme vous avez pu le voir, j'ai un petit peu aussi enlevé ici, parce que tout simplement comme ça on arrive à quelque chose un petit peu de plus égal sur la fin, donc c'est un petit peu plus joli. Quand même aussi un champ, comment dire, sympa, je voulais pas quelque chose de totalement moche. Donc du coup j'ai décidé de faire ça comme ça. Du coup, comment je vais m'organiser pour tout ça? C'est relativement simple en fait. J'avais déjà ma petite idée un peu, d'ailleurs j'aurai besoin de nourriture bientôt. Peut-être, ouais. Donc, je suis désolé, mais ça devait dégager un de ces quatre, ça. Hop. Donc, ouais. Ce qu'on va faire un petit peu,
c'est qu'on va tout simplement beaucoup planter tout ça, histoire d'avoir déjà des graines et tout. Ici, il va y avoir une rangée de graines bah, de blé, je pense. Genre ici et ici, ce sera du blé. Et ici, ce sera genre carottes ou, et ici, pommes de terre, quoi. Vous voyez un petit peu le genre. Et ça nous permettra quand même de faire des assez grandes cultures. Pour ce qui est donc des citrouilles et tout ça, en fait, ça va pousser ici et ce sera des endroits qui seront donc pas cultivés. Comme ça, on va pouvoir tout simplement planter là-dessus. Hop. Donc, faut que je maintienne un petit ordre un petit peu ici. On va faire ça comme ça. Hop. Et voilà. Donc, il nous faudra encore pas mal de canne à sucre avant que ça ce soit fini déjà. Donc, ça nous montre quand même que. Déjà, on aura besoin encore, enfin, on a le temps encore avant de pouvoir tout envisager là-dedans. Faudrait que je sache aussi si le melon, en fait, peut pousser genre sur des blocs normaux. Donc ça, je le saurai par moi-même. Je sais pas, je ferai peut-être un test genre en créatif en augmentant la tick speed et je vois si ça veut bien pousser. Ce serait intéressant à savoir dans le sens où ça me ferait quand même économiser pas mal de terre qui est quand même une ressource assez précieuse en ce moment pour nous, hein, on va pas se le cacher. Hop, d'ailleurs j'en profitais pour comment dire, planter notre terre aux endroits où ce sera le melon qui va pousser, tout simplement pour une économie de temps, hein, y a pas de secret là-dedans. Voilà. Hop. Comme ça déjà ça peut pousser partout. Il nous reste 4 terres. Alors je pense que je vais aller faire ma petite expérience dont je vous ai parlé en solo, histoire de savoir si on peut du coup planter du melon sur les côtés. Du coup bah, je vous retrouve dans un tout petit peu de temps, hein. Je vais pas prendre 3 heures, hein. Je vous retrouve juste après, voilà, je vous dis à tout de suite. Et re les gens, voilà, donc on se retrouve bah, sur la même map tout simplement. Alors j'ai trouvé quelques petites choses qu'on pourra faire. Alors en effet, comment dire, ça peut pas pousser ailleurs que sur de la dirt, mais par contre ça peut quand même pousser sur de la coarse dirt qu'on a en 5 exemplaires, donc elle pourra nous servir. Et aussi une autre économie qu'on va pouvoir faire, c'est en mettant du sable pour la canne à sucre tout simplement au lieu de mettre de la terre. Ce qui va être quand même plutôt pas mal efficace puisque on a quand même planté beaucoup de la canne à sucre, on a pas mal de sable dont on ne savait pas trop quoi faire, donc ça nous arrange pas mal au niveau de ça, tout simplement parce que on va pouvoir planter notre canne à sucre dessus puisque tout simplement la canne à sucre bah elle pousse aussi sur le sable et ça c'est quand même un bon truc à savoir. J'ai combien de dirt? J'en ai 12 déjà d'économiser. En plus on pourra placer la coarse dirt du coup. Ça va nous faire pas mal de dirt économisé tout ça, hein. Ça c'est très bien, parce que de la dirt c'était vraiment un truc qu'on avait en faible quantité, donc ça nous sauve la vie presque, parce que ça allait être complexe d'en obtenir autant. Donc là, ça nous diminue quand même pas mal les charges. Et ça, c'est très bien pour nous, tout simplement. J'ai dit beaucoup de fois, tout simplement, on a remarqué. Bref, hop, il me reste plus que 2 blocs à placer. On est bon, donc ouais, on était un peu juste, mais ça passe. Donc c'est l'essentiel. Voilà. Maintenant, du coup, on va placer notre coarse dirt, hein, écoutez, pour que ça, comment dire, que ça pousse dessus en fait, hein, les melons et tout ça, donc ça c'est bien aussi, hop, voilà, nickel. Alors qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on remplit ici du coup, ou est-ce qu'on remplit de ce côté-là, parce que de ce côté-là on a quand même pas mal de trucs à faire aussi, mais en même temps je me dis que ce serait peut-être mieux de remplir je sais pas, ici quoi, pour tout ce qui est, comment dire, ah je vais y arriver
pour tout ce qui est encore plus de melons et tout ça. Mais en même temps, si on veut du blé et tout, ce serait bien de mettre là. Je pense personnellement que c'est quand même mieux qu'on finisse ici. Comme ça, déjà, on a un type de plantation qui fonctionne. Et ça, ce sera déjà bien. Donc je pense que c'est déjà plus prudent de se placer là-dessus. On va utiliser quand même ce qui reste pour remplir un peu le reste. Enfin, j'ai dit beaucoup de fois reste, encore une fois. Je dis beaucoup les mêmes choses. Vous aurez pu remarquer. On va donc cultiver tout ce qui est de ce côté. Voilà, super. On va faire la même chose ici. On va déjà planter du blé dessus. Histoire d'avoir quand même un petit peu de blé. Donc ce sera déjà bien. Hop, voilà, donc on a tout ça. On va planter notre blé ici. Hop. Pour les arbres, j'ai pas trop réfléchi encore, mais je pense qu'on va les faire de ce côté. Un petit peu espacé tout de même, mais de ce côté-là, ça pourrait être un truc sympa. Donc là-dessus, on est bon. On va encore planter la canne à sucre. Hop. Voilà, super, et du coup, on a déjà un début de quelque chose, hein, j'ai envie de dire, on a même plus qu'un début, puisque là on a quand même déjà pas mal de plantations, il nous reste quelques graines à planter, donc au pire, pourquoi pas les planter, j'ai envie de dire, donc on va faire ça ici, hop, 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 et hop, voilà. Et il nous manquera encore pas mal de ressources, de trucs, mais bon, ça ira. Donc on aura besoin de 4 graines de citrouille, 6 graines de citrouille et 4 graines de melon. Donc c'est faisable, faudra juste que ici ça pousse, quoi, parce que ça risque d'être long. J'ai 2 arbres à descendre, bon ça je les ferai peut-être plus hors cam, parce que couper des arbres, je pense que vous êtes pas trop venu sur la vidéo pour voir ça, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant dans le Skyblog, donc je pense que ça je le ferai hors cam. Ici on va déjà planter. Oh non, j'ai quand même pas bouffé toutes mes carottes comme un gros boulet. Et bah si. Ok, donc en fait il me restait des carottes et des patates pour les planter et j'ai dû tout manger. C'est pas très très malin de ma part, je vous l'accorde. Du coup, ouais, faudra voir comment on s'arrange là-dessus. Bon, j'irai sûrement en acheter au shop. Donc ça, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus grave. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller améliorer notre salle des coffres, toujours. Alors, ici, déjà, on peut remarquer que c'est pas très très beau. Donc on va se crafter peut-être des dalles. Et on va essayer de les placer, du coup, ici. Voilà, bah, pas grand-chose d'autre à faire. Si ce n'est en placer derrière de cette façon. Hop. Ici. Toujours la même chose. Hop. On va encore avoir besoin de dalles. Donc la salle des coffres, ça avance pas mal. Tout ce qui va nous manquer à faire en grande quantité encore, ce sera donc les panneaux. Je vais déjà les crafter, mais on va avoir besoin d'en faire du coup pas mal. Ouais. Je sais pas combien exactement on en aura besoin, mais ça va être beaucoup. Je pense qu'on va déjà écrire quelques panneaux, peut-être ça pourrait être intéressant, mais peut-être pas tous les faire aujourd'hui parce que il y en aura beaucoup à placer, hein, ça vous vous en doutez bien, ça va pas se faire en 2 secondes, donc on verra comment on va organiser ça. Je pense qu'on va même pas avoir besoin de faire de coffres genre type divers et tout ça, parce qu'on aura tellement de cases en fait à remplir que du coup on sera tranquille au niveau de ça. Je le pense. Ouais, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, des dalles, c'est ça. C'est ce que je voulais faire. Des petites dalles en plus à placer. Donc ici ça a été mis. Ici ça n'a pas été mis. Hop. Ici non plus. Ici ça a déjà été mis. Et ici, comme ça, on est tranquille. Ici je vais faire directement le chemin comme ça, parce que sinon ce sera pas très très beau. Puis à part ça, je crois qu'on est à peu près bon. Ouais. Ça me paraît être nickel, là, je crois, hein, pour tout ce qui est intérieur.
Maintenant, pour tout ce qui est de l'extérieur, c'est pas gagné encore. Ça, je vous l'accorde. Alors, comment on va faire? On va déjà se faire un petit toit. Pourquoi pas? Un petit toit sur notre maison si splendide, même si elle est en cours de construction. On va la valoriser un petit peu parce que on n'en a pas beaucoup parlé de notre petite maison. Elle est peut-être très très sensible aux critiques. Après tout, on ne sait jamais, c'est une maison tout de même. Hop, la demi-dalle, par contre, je sais pas si ça va suffire pour cramer tout ça. Je vais rajouter deux sticks. Hop, oh! C'est qu'il y a du cactus qui s'est produit là-dedans. Ah, bah oui, c'est bien. C'est bien tout ça. Ah oui, ça produit le cactus. Donc, du coup, bah, vu qu'on en a deux, je vais profiter de cette occasion pour monter là-haut et bah, tout simplement aller en placer deux de plus. Voilà, super. Donc, j'ai fait quelques modifications. D'ailleurs, j'ai rajouté un petit peu de bois ici parce que j'ai l'impression que ça coulait mal. Mais maintenant, en tout cas, c'est bon, hein, comme vous pouvez le voir, ça drop. Donc, c'est nickel. J'ai plus de hache, forcément, je suis monté avec du bois. C'est assez problématique. Je vais avoir besoin d'une de cobble en plus. J'ai cru que c'était un arbre qui avait poussé. Je me suis dit, non, tu m'as pas fait ça. Mais non, ça va, c'est bon. Tout est ok. Du coup, comment je vais faire pour couper ça? Hop, on va bien monter en haut parce que c'est pas un truc qui est tout bas qu'on doit couper, donc on a besoin de pas mal monter histoire de pouvoir tout couper. Alors, ok, pas ça ici. Ça commence déjà à pousser. Il y en a une qui est presque prête là, si elle n'est pas déjà prête. La canne à sucre, par contre, ça donne rien encore. Bon, on aura le temps encore de voir ce que ça peut donner au futur, mais bon, pour l'instant, ça donne pas grand chose. Donc on verra. Bref, c'est pas grave. On va descendre ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme coffre? Je propose déjà qu'on fasse un premier coffre, genre ici, basique, qu'on va appeler, hop, outil, je pense, ça peut être bien. Hop, on va faire ça. On va faire donc notre coffre outil un petit peu avec les outils qu'on a en trop. Donc on va faire, comment dire, on va faire une section pioche. Des pioches, j'en ai combien? J'en ai ça. Hop, ou les pelles. Voilà, donc comme ça, déjà, on pourra mettre les outils, donc les trier comme ça, de haut en bas. Ou alors, peut-être, non, on va peut-être les faire carrément comme ça. Ouais, ce sera plus sympa de cette manière à voir. Bon, la pioche en bois, j'hésite encore. Je vais peut-être la jeter tout simplement dans le vide. Hop, voilà. Comme ça sera fait. Donc ici on a notre section outils. Maintenant qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va mettre une section au loin pour l'argile parce que j'en ai deux et je dois en avoir même plus dans mes coffres là-bas. Donc je vais aller chercher tout ça bah, juste ici. Hop, donc l'argile et tout. On va prendre à peu près déjà du stuff. On va aller un petit peu répartir tout ça en bas. Si on peut déjà vider un peu nos coffres. On va faire aussi genre un coffre un peu bloc spéciaux pour par exemple le beacon parce que ça on va en avoir besoin. Un coffre qu'on va qualifier de coffre pour les ressources. Voilà. Hop. Non, pas comme ça. Voilà, comme ça. Super. On va déjà mettre donc le charbon. On a du fer qu'on mettra plus tard. Tout ce qui est nourriture, il nous en faudra forcément un. On va mettre les coffres les plus essentiels, disons, en bas, enfin en bas, près de l'entrée en fait. Nous tirure, ça c'est bien ça, la nous tirure là. Nourriture. Mince, comment j'écris ça moi, sans le machin. Voilà, hop. Ah, je sais plus du tout écrire, c'est horrible. Bref, on va faire ça comme ça. Donc ça c'est bon, nourriture. Ressources et tout ça. Donc là on est bon au niveau de ce truc. Qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin d'un coffre pour les seaux, donc ça on va le mettre ici parce que tout simplement on n'en aura pas beaucoup besoin. Hop, voilà. Donc on va mettre seau d'eau, seau de lave. Comme ça c'est déjà, ce sera mis. On va faire notre coffre donc à blocs spéciaux. Blocs
On va mettre ça comme ça, je pense, ça va être plus sympa, bloc spé. Hop. Et nous allons mettre dedans donc déjà l'éponge, le beacon, la ice, hein, du coup. L'argile, ça, on va faire un coffre spécialisé pour l'argile. Je pense qu'on va le mettre genre ici. Hop. Voilà, argile. Voilà, super. On a du coup de l'argile à mettre. On a de la clay et de la stained clay. Donc la clay, c'est ce qui précède en fait la stained clay pour ceux qui s'y connaissent pas trop là-dedans. Donc on va faire des rangées comme ça. Hop. Comme ça, ça ce sera bon. On va faire aussi un coffre pour le bois, évidemment. Parce que ça, du bois, autant vous dire. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté direct le menu, ouais, comme un gros malin. Le bois, évidemment, on va en avoir besoin et on va en avoir beaucoup également. Donc, on aura forcément besoin d'un coffre. Donc, on va faire déjà le spruce wood comme ça. Du oak wood, on en aura aussi à mettre. Du jungle wood. Voilà, on va mettre aussi un truc pour les planches, puisque on n'aura pas que des bûches, on aura aussi des planches. Donc hop, comme ça, ça se sera fait. Hop, on va faire ça comme ça. Alors du coup, est-ce que je mets tout? Non, je vais faire. On va mettre bois divers, tout ce qui est un peu à base de bois. On va mettre base. On va mettre à base de bois. À base de bois. Oh, j'arrive plus à écrire, c'est horrible. Voilà, à base de bois, comme ça on est tranquille. On peut mettre un peu tout ça. On pourra mettre les signes qui nous restent, s'il nous en reste, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Armure, on aura peut-être plus tard. Quoique ici je vais peut-être faire à base de bois V2 parce que je pense qu'il y aura pas mal de trucs qui seront à base de bois. Donc on va faire à base de bois V2, comme ça on sera tranquille au niveau de ça. Ensuite du coup, qu'est-ce que je voulais faire? On va mettre tout ce qui est agriculture. Voilà. Hop. Donc comme ça on pourra caler ça dedans. On va faire aussi un truc pour l'élevage. Hop. Voilà, on va avoir besoin de pas mal de coffres, hein. Donc je pense que j'ai fait une quantité assez une quantité suffisante, hein. J'en ai pas fait trop ou pas assez, je pense que c'est suffisant. On va mettre les champignons aussi dans cette catégorie du coup, puisque c'est de l'agriculture. On va mettre les graines aussi. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Parce que là on a déjà fait pas mal de trucs. Je vais aller aussi faire un truc pour les loot de mobs, même si on n'a pas encore trop fait de trucs. Ce sera quand même important. Donc loot monsters. Donc monstre plutôt. Hein. Hop. Et on va faire aussi loot. Donc loot, c'est ce que ça donne en gros quand on tue le mob en question. Donc voilà, pour ceux qui sont pas trop anglophones. Loot mob, non, loot mob pas trop, parce que ce sera plus tout ce qui est élevage, donc viande, ça ira là-dedans, je pense. Et loot monstre, du coup, hop, on peut déjà mettre ça, parce que j'ai rencontré quelques petits mobs durant quelques nuits. D'ailleurs, là, j'entends un squelette, je ne sais pas où il est, mais je sais qu'il est quelque part. Bonjour, monsieur le squelette, veux-tu bien mourir? Il faut que je fasse attention, parce que vu que ce gros génie se met dans les champs, j'ai pas trop envie de tout écraser. Est-ce qu'ici il y a un mob? Non, il n'y a pas. Ça a rien drop non plus. On a de la canne à sucre qui a poussé, donc ça, c'est très bien. On va tout de suite aller récup ce qu'elle nous donne. Alors, où est-ce que ça a drop? Ici. Nous en manque plus qu'une déjà, et on aura terminé la première rangée. Ça, c'est déjà très sympa. Donc on avance, ah bah voilà, c'est super, hop, on va tout de suite aller la placer. Et on a donc terminé notre première rangée, voilà, c'est très bien. On va torcher tout ça aussi, faudra penser à ça, parce que je pense que c'est pour ça que le mob est apparu, hein, forcément. Ouais, donc faudra penser à ça. On va aussi mettre des torches dans notre maison, ce serait bête de passer à côté de ça. Hop, on va déjà torcher de cette manière, puis on verra comment on approfondit ça après.
Je pense qu'au niveau des signes, ouais, ça va être suffisant. Enfin, suffisant, la quantité qu'on a, bien sûr, là, on n'a peut-être pas tout fini. Donc, à base de bois, c'est tout ça. Loot monstre, du coup, on l'a déjà fait. Tout ce qui touche au nether aussi, on pourrait le faire parce que je pense qu'après, on ira aussi voir s'il y a moyen d'aller au nether. Parce que ça, je pense qu'il y a des îles au nether et tout. Donc, il y a moyen de faire ça aussi. On va mettre un coffre pour tout ce qui est pierre taillée. Voilà, donc on n'a pas besoin d'un énorme coffre pour pierre taillée, enfin pour la pierre taillée, pardon. Mais bon, on va quand même en prendre. Si on a des slabs et tout ça, ça peut être intéressant à mettre là. On va mettre aussi. On va mettre tout ce qui touche aux arbres. Donc on va mettre pousse d'arbres. Voilà. Hop, on va refermer tout ça. Dedans, donc on va mettre. Oups. On va mettre. Non, on va pas organiser ça comme ça. On va organiser ça comme ça proprement. On en a encore des pousses que je ne me trompe pas, qui se trouvent là-bas. Donc on va aller les chercher tout simplement. Ouais, on a ça. Et on a tout ce qui nous reste ici à placer encore. Je vais avoir besoin de nourriture. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que. Ouais, bon, on va faire ça temporairement, c'est pas grave. On est un petit peu intoxiqué, mais bon, écoutez, au pire, c'est pas la fin du monde. Du coup, pousse d'arbre, on va rajouter ça dedans. Limestone clay, donc ça va aller aussi dans l'argile. Hop, voilà, super. On va mettre tout ce qui touche à la pierre, donc ça va se passer ici. Hop, on va placer ça ici. Pierre, non, pas comme ça. Voilà, super. Après, il faudra voir aussi si on peut améliorer, en parlant de pierre, justement, j'en profite, tout ce qui est notre générateur de cobble, parce que je pense qu'il y a moyen de l'améliorer pour qu'il soit peut-être plus lucratif ou d'être en genre plus simple, peut-être de miner et tout. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire quelques trucs au niveau de ça aussi. Un peu. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Dans les ressources, j'avais fait un truc pour ça. Ressources, voilà, c'est là. Comment on va organiser ça? On va organiser des lignes, du coup, hop, on va mettre le fer comme ça. Le charbon, on n'en a pas beaucoup, mais bon, on va le laisser comme ça pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Donc l'agriculture, on va aussi en profiter pour mettre nos graines qui se trouvent ici. Hop. Le sable, ah oui, ça je vais aussi faire une catégorie à part pour lui. Donc tout ce qui est sable, on va mettre ça comme ça. Hop, voilà, on va le placer ici. Donc il y aura peut-être du sable rouge et tout aussi qu'on peut mettre. Donc il y a moyen d'envisager quelques trucs au niveau de ça. Hop, on va mettre notre bois de cette manière là-dedans. Qu'est-ce qu'il nous reste? On peut aussi rajouter les vitres. Hop, voilà. Donc là, tout ce qui est vitres, je sais pas s'il m'en reste, je pense pas qu'il m'en reste. Mais bon, tant pis. Ensuite aussi les tables de craft, ça je pense que ça ira dans les blocs spéciaux. Nos deux coffres ici, on va les enlever. Ils nous serviront peut-être plus tard. On va peut-être même faire une catégorie de coffres pour les coffres. À voir. Oh, toi, bonjour. Est-ce que tu voudrais me drop du fil? Non, elle m'a rien drop. C'est pas très très sympa de sa part. Bon, tant pis, écoutez, c'est pas la fin du monde. Mais par contre, niveau bouffe. En parlant de drop un petit peu et tout, je suis un petit peu mal au niveau de la bouffe là, hein. Ça, je vais en témoigner, c'est un petit peu pas bon pour moi. Oula, qu'est-ce qui. Ah oui, non, c'est le blé. J'ai cru, qu'est-ce qui se passait? Il y a de l'herbe qui pousse sur mon truc. Je vais m'en passer. Mais non, tout est bon, ça va. Alors, ensuite, on va descendre ici. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va faire un coffre pour les coffres, juste pour un petit peu la coffreception. Donc on va faire coffre, donc, tout ce qui est coffre, peut-être coffre de laine et tout si jamais on en a à stocker là-dedans. On va faire aussi une catégorie pour laine, si on a des trucs de laine, on sait jamais. On va le mettre là. Une catégorie pour la laine, voilà. Hop, on referme. Non, pas ici. Juste un petit peu après. La laine, on referme. Qu'est-ce qu'il pourrait nous rester à faire? Le quartz.
Le quartz, ça touche un petit peu au nether quand même, hein, je pense. Mais bon, en même temps, ouais, on va mettre bloc de construction. Comme ça, si on a du quartz, on les mettra là-dedans. Donc, après, on va mettre. Comment dire, items spéciaux. Items spé. Voilà, hop. Donc dedans on pourra mettre peut-être les panneaux parce que je les considère pas vraiment comme des blocs dans le fond les panneaux. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Pas trop grand chose. À base de bois on peut mettre les sticks aussi. Hop, un wooden axe, je vais la jeter d'ailleurs. Hop, ça dégage. Et on a presque fini, hein, écoutez nos coffres, il nous manque juste un petit truc et puis après je pense on va se laisser là-dessus parce que je crois que ça fait très 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 longtemps que je suis en train de reg déjà. Donc ouais, mais bon écoutez, ça fera un épisode peut-être plus long que d'habitude, je sais pas, je sais pas. Mais bon c'est pas grave, écoutez, ça vous profite au final, hein, donc ça profite peut-être pas à ma connexion mais à vous, dans le fond ça vous profite. Donc why not, je pense aussi, quand je vous avais parlé de mon projet de puits, bah, je pense qu'on pourra le faire là maintenant que ça nous dégage un petit peu d'espace, cet arbre faudra que je le coupe d'ailleurs. Donc ouais, il y a moyen de pas mal s'améliorer au niveau de tout ça, ici ça doit être prêt à pouvoir drop déjà des melons, ou des melons ou des citrouilles, hein, je sais pas, mais ça doit être déjà prêt pour ça, on va avoir besoin de pas mal de nourriture encore. Corps, ça c'est triste, et on va faire un dernier coffre aussi. Agriculture, d'ailleurs, j'en profite pour mettre le cactus. Ouais, je parle beaucoup de différentes choses, mais c'est assez complexe de se target sur une seule. Dans l'étant donné, on a pas mal de choses à faire. On a une canne à sucre en plus, on va la mettre dans agriculture, comme ça on crée la catégorie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme dernière catégorie? Ça, c'est une bonne question. On a à peu près tout fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est très très complexe. Hein. Hop. On va commencer à planter de la canne à sucre de ce côté-ci. Hop là. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Faut que je réfléchisse. Je me balade un petit peu. Si on va faire une catégorie d'hiver, vous savez quoi? Faire une catégorie d'hiver, comme ça on mettra ce dont. Enfin, ce qu'on ne sait pas. Ce pourquoi on ne trouve pas une catégorie, ben on le mettra là-dedans. On va l'appeler la catégorie d'hiver. On va mettre entre parenthèses bordel. Voilà, parce que ça risque d'être le gros bordel là-dedans. Puis, bah, c'est bon, voilà les gens. On a terminé notre salle des coffres. Je vais juste aller me faire un petit. De quoi manger. Repas, hop là, bonjour, je viens de faire un petit big burger, merci, hop, on passe ici, on fait cuire le big burger, je sais pas si ça va suffire ce que j'ai, on va mettre un, on peut pas mettre de panneau, oh oh, mayday, qu'est-ce que je peux mettre, est-ce que je peux mettre la barrière, vite, non, on n'a pas eu le temps, bon, c'est tant pis, la barrière ça devrait suffire je pense, parce que ça coûte quand même assez cher à faire une barrière. Donc si ça suffit pas, bah on est mal, mais là, en l'occurrence, ça suffit, donc on est bon, les gens, voilà. Bah du coup, ouais, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, on est déjà plus de 6000, c'est assez dingue au moment où je fais la vidéo, c'est même pas assez dingue, c'est carrément oufissime, hein, j'ai pas vraiment de vrais mots pour décrire ça, parce que c'est des nombres juste astronomiques pour moi. Donc merci à tous, voilà. Je vous invite aussi à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, voilà. Je l'espère qu'elle vous a plu tout simplement, donc si c'est le cas, bah, signalez-le en mettant un like, en partageant la vidéo bah, avec vos amis, ça me ferait extrêmement plaisir, voilà. Celle-là ou une autre, hein, je sais pas, c'est vous qui voyez ce que vous voulez vous leur montrer, tout simplement. Et voilà, je vous invite aussi à venir sur le serveur, ça peut être très très sympa que vous soyez avec moi, comme vous avez pu le voir, il y a déjà pas mal de gens qui sont venus, c'est cool. Et puis encore, si j'enlève mon vanish, c'est encore plus impressionnant, si je dis un petit message dans le chat. Que dire d'autre à part ça, bah, je ne sais pas moi, hein, que l'IP est en description, ça, et vous le savez déjà, et que bah, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée, ou bah, tout simplement une bonne nuit, ça dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et puis bah, du coup, moi je vous dis, portez-vous bien les gens, c'était Léo, ciao. Oh,
Thank you.